Allô, 1, 2, 1, 2. Bonjour. C'est bientôt la Saint-Valentin, yeah. C'est quel jour le 14 février? T'as de la sauce? Ah. C'est beau l'amour, ouh. Bon, est-ce que vous êtes célibataire ici les gars? Ouais. Oui. 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 Ouais, mais... Moi je suis célibataire depuis un mois, ouais. Célib. Trois petits points. J'ai faim. Ok, on est bien tombé. Personne en couple pour la Saint-Valentin. C'est cool aussi. Ouais, bah... Après le ski, c'est sûr qu'elle est célibataire. Hein. Je ne vois pas de quoi elle parle. J'ai pêché 19 personnes. Elle a du caractère. Non. Oui, je me suis trompée. Elle a oublié si elle était célibataire. Non. Non, moi je suis content avec ma copine. Ça va faire 2 ans. Beau sourire, hein. Et vous préférez être célib ou en couple? Oh, on est en plein hiver. Il faut quelqu'un, là. Les deux, quoi. Je pense qu'il faut être bien déjà soi-même pour être en couple. Plus célibat, personnellement. Ouais, être tout seul, c'est lourd. Moi, c'est team célibat. On est en stand-by. Être en couple, c'est un peu une perte de temps pour l'instant. J'aime bien la liberté. Bon point de vue. Petite question un peu embarrassante. Est-ce que vous êtes pour le couple libre? Oula. Et c'est bizarre un peu, hein. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres. C'est genre, tout le monde peut aller baiser tout ce qui bouge. Moi, j'y ai jamais cru. Je veux pas que ma meuf aille avec quelqu'un d'autre, c'est mort. Dans ce cas-là, autant pas se mettre en couple. T'es engagé, mais pis, tu fais des trucs avec d'autres gens et tout. Mais il y a un principal quand même. Je peux pas supporter de savoir qu'il y aurait potentiellement quelque chose avec quelqu'un d'autre que moi. On peut pas avoir genre que les avantages. Ah, c'est bourbier. Hein. Tu te fais jusqu'au cul. Moi je suis trop jeune pour comprendre. Hein. Pour mon couple, non. C'est dur en vrai, couple libre. Hein. Bah, ça sent le vécu. C'est sûr qu'en vrai, si je suis avec une meuf qui propose ça, je peux faire le canard et dire oui. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut quoi. T'établis des règles en mode vas-y, ouais. Pas ton frère, pas ton pote. J'aimerais bien rencontrer vrais amis qui sont en couple libre. Le principal c'est d'être épanoui. Vas-y, t'as raison. Tu m'as convaincu. Mais faut que vous nous racontiez maintenant votre pire peine d'amour. C'est de se faire tromper, d'apprendre ça 9 mois après en sachant que des potes à moi étaient au courant et ils me l'avaient pas dit. Je suis dévasté. Elle m'a quitté. Et c'est triste, mais ça fait avancer aussi. Hein. Mon meilleur pote m'a fait, bah c'était peut-être ta faute. Victim bolos. Benjamin, enculé. Les insultes ici. J'ai vu des potes qui ont eu des peines de cœur. C'est un traumatisme un peu. Tu vois que la personne n'est plus pareille dans sa manière de réfléchir, d'agir. Quand je l'ai quitté, j'ai appelé mon meilleur pote en lui disant je l'ai quitté et en lui annonçant que je couchais avec une autre meuf. J'aurais trop aimé être en couple avec toi. Et en fait, bah je crois qu'elle l'a entendu. Ça va pleurer là, ça va pleurer. Du coup, bah la personne que j'ai dit que je vais vous faire un voyage et une paire de baskets m'a trompé avec ma cousine. C'est moi. Je peux réfléchir un peu là? Heureusement. J'ai jamais eu de vraie peine de cœur en vrai. Ça m'est jamais arrivé. D'être mine un peu. Parle-nous de Sonia. C'est ma meilleure pote, mais lui il pense que je veux la gérer. Mais vous envoyez un message à l'Insta de TVJ si un jour il se met avec Sonia, d'accord? Est-ce que vous pouvez me raconter la plus belle chose que vous ayez faite par amour? J'ai organisé un voyage à Amsterdam à ma meuf surprise avec ses meilleurs potes et mes parents voulaient pas que je parte. Et du coup je suis quand même parti à Amsterdam sans qu'ils le sachent. Waouh. Je lui ai emmené manger une pizza en forme de cœur. Grande classe. Je l'ai attendu 2 heures à un arrêt de métro parce que son téléphone était déchargé et en fait il dormait. Je me suis mise à pleurer devant la station de métro, devant tout le monde. Il faut se compléter quoi, c'est donnant-donnant dans une relation. Moi j'ai fumé, baisé et kiffé, donc tout parfait quoi. Je parlais avec une colombienne. T'étais la voir. Exactement. Moi j'ai pris l'avion. C'est de la merde. C'est quoi votre meilleure disquette? Je suis pas un homme à disquette moi. T'es un homme à disque dur. Je suis juste organique. Ok. Petit truc mignon. Rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Je dis ce que je pense et ça marche. Pas trop. Envoie pécho. Pour pouvoir appeler une meuf, tu lui parles un peu et tu commences à lui dire ouais, j'ai un peu mal au doigt, t'es pas chaud, on s'appelle et tout. Ça marche? Ça marche pas. On a combien d'épaules? 2. Et non, 1, 2, 3, 4. Ça, très bonne technique ça. On peut être vulgaire? J'ai fait 5 ans de natation et je me suis quand même noyée dans ton regard. T'es un petit lover, hein. Parce que tu sais, moi, tes yeux de braise me rendent merguez. Ton père, ce serait pas un vendeur de frigo? Parce que t'es vraiment fraîche en fait. C'est nul. T'es difficile un peu. T'es chiante comme meuf. Ouais. Ce serait pas une Ferrari parce que j'aimerais bien te démarrer. J'ai de l'or dans les couilles, faut me sucer pour le croire. C'est bien? Je l'ai appris en primaire et je l'ai jamais oublié. Ouh. Envoie fesses. Plutôt intéressé pour pécho Jean-Marie Le Pen ou Zemmour? Attends. Zemmour, il a un peu de charme. On va dire Zemmour parce qu'il est quand même un peu plus jeune. Vous voyez la personne dans les Simpsons là? Avec son nez crochu. Ouais, bah, c'est... Parce que bon, Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est un très beau prénom, Jean-Marie. C'est vraiment très séduisant. Il a pas un petit-fils? Ouais, mais il est très vieux quand même. Jean-Marie! Moi, je suis Jean-Marie. Mais c'est les papis. Il est trop mignon. En fait, c'est un papy, t'as envie de l'aider, t'as envie de l'aider à faire ses courses, t'as envie de l'aider à sortir et tout, faire découvrir la vie. J'ai un plan à 3 et puis je poste la sextape. Une première fois à tout, hein. Et si on parle d'âge, ouais, Zemmour voilà, aussi. Voilà. Du coup, je deviens lesbienne, je pense. Je change de bord. Azem et Mathis ne sont pas gros, moi j'aime bien les mecs gros. On coupe. On coupe. Le physique c'est un détail, c'est le fond, la conscience qui compte. Ah, t'aimes les choses? Ouais. C'est pas mal. On conclut? L'important c'est de jouir et de rire. Merci. Merci en tout cas. Et vive TVJ. On est ensemble. Lourd. Au revoir TVJ.